C'est parti pour la suite de Resident Evil. Sais plus ce que j'étais en train de faire. Quand j'avais arrêté hier. Je crois que je venais de récupérer une clé ou quelque chose comme ça. Ah oui, je venais de fabriquer l'arme cylindrique. Hop, j'ai plus qu'à aller le déposer. Bah dans l'espèce de grosse machine là qu'il y avait dans les cavernes. Je venais de tuer un boss araignée à la con. Qu'est-ce que j'ai. Est-ce que j'ai des munitions de fusil? Non. Je prends le pistolet. Il me suffira comme munition. Les hunters, je me les fais plutôt lance-grenade. On suffit que de deux. Alors que le fusil, il en faut trois, et puis des fois, ils ont quand même le temps de nous toucher. Ils font beaucoup de dégâts en plus, ces saloperies. Une série de boutons, clic clignote, appuyer sur l'un d'eux. Appuyer sur quel bouton? J'appuie au pif. Rien ne se produit. Vous avez obtenu arc cylindrique. Oh putain! Ah tiens! Il y a une énigme sur l'arc. L'arbre cylindrique. Les symboles sont gravés sur le côté, voulez-vous le faire tourner? Oui, bah oui, logiquement. Attends, je vais devoir appuyer 50 000 fois si, si ça tourne aussi peu à chaque fois. Oui. Ah, voilà, c'est bon. Alors on a 4, 2, 3, 1. J'ai pas envie de me retaper tous les documents du jeu à lire pour savoir où était le code. Au final, il était inscrit sur la pièce à mettre dans la machine. Jill. Barry, thank God you're safe. You too, Jill. Le mec louche qui a l'air d'être un traître. Ah, il y a un objet par terre, je l'ai pas ramassé. Have any idea as to what might be at the bottom? There's only one way to find out. Oh putain, il se sépare pas. Quel miracle. That sound. It could be a person. Jill, go check it out. Surprises for one day. I'll stay here and secure our escape route in case something happens. On va voir, je sécurise l'endroit, non mais. Quel connard. Putain, s'il nous disait va prendre tous les risques pendant ce temps, je reste safe, ça serait la même chose. C'est un bruit de porte. Ah non, j'ai cru que la porte elle s'était fermée derrière moi. Oh le bâtard. Le gros bâtard de sa mère.
Il s'est volontairement barré sans moi, quoi. Moi, je vais descendre. Ok, c'est une machine pour écraser des trucs. J'ai rien à écraser pour l'instant. Peut-être que je devrais mettre un monstre à cet endroit-là pour le broyer. Bon bah du coup je continue par là. Il y a des bruits de pas qui viennent de la gauche. Merde. Est-ce que c'est le machin qui m'a attaqué dans la maison? Ouais, si c'est ça. C'est le truc qui craint pas les balles. Bon, du coup, je vais attendre qu'il me suive bien sagement, puis je vais essayer de le mettre dans le broyeur. Je suppose qu'il peut ouvrir les portes. Dans la cabane, il l'a fait pour rentrer. De quoi, ma chérie? Je sais pas, c'est une sorte de 9 monstres enchaînés. Et ça craint pas les balles. Donc je vais pas m'amuser de lui tirer dessus. Et comme par hasard, il y a une grosse machine à broyer en bas. Donc je me dis qu'il faut que je la mette dedans. Le truc c'est que je m'attendais à ce qu'elle me suive dans cette pièce. Attends, faut peut-être que je descende pour qu'elle me suive, je sais pas. Non. Je m'attendais à ce que genre on entende un bruit de porte pour dire qu'elle venait de rentrer. Et non, même pas. Merde, du coup ça veut dire qu'il faut que je retourne dans le tunnel. Et puis qu'elle va m'attendre à la sortie, quoi. Enfin, qu'elle va m'attendre à l'entrée plutôt. Elle va être juste derrière la porte, là, elle va me mettre une mandale. En plus, elle fait beaucoup de dégâts, de ce que je me souviens. Elle m'a touché une fois dans la cabane. Ah non, ok, ça va. Elle est retournée à son endroit initial, donc je vais passer. Oh putain! Ah, ça l'a. Elle a fait le tour. Attends, ça a quelle forme? Ok, ça forme un cercle. C'est verrouillé. Une espèce de crochet mécanique. Le crochet est coincé dans le trou. Oh, tiens, vas-y, je vais prendre le temps de ramasser les plantes. Ok, je vais essayer d'aller par là. J'ouvre la carte quand je rentre dans une pièce pour voir à peu près de quelle forme est cette pièce. Savoir où je dois fouiller. Savoir si j'aurai une issue si jamais j'ai un monstre qui arrive dans mon dos. Attends. Qu'est-ce que je peux faire avec cette caisse? Ouais, bon, apparemment, tout ce que je peux faire avec cette caisse, c'est la foutre dans l'ascenseur.
donc je viens de transporter une marchandise, je sais pas trop pourquoi faire ni dans quel intérêt. Mais si on peut le faire, c'est que ça doit être utile. Elle est où la saloperie de monstre? Curée, elle est là. Bon, ça va, elle est pas très dangereuse, elle se déplace pas très vite. Faut juste que j'évite de passer à côté, quoi. Et je viens de me planter le chemin. C'est génial. Ah, Barry qui a enculé. Ah, pour le coup là il... Ah, c'est clair que c'est un traître. C'est clairement Barry en me laissant dans la merde. Bon, du coup la machine à broyer, c'est la caisse qui va se faire broyer, c'est pas le monstre. Oh, remarque, peut-être qu'on peut mettre les deux. L'un n'empêche pas l'autre. Il va y avoir une clé ou une connerie comme ça. Waouh, un lance-flamme! C'est quoi cette blague? La machine à broyer, tu vas me dire qu'elle a broyé la caisse, mais le lance-flamme qui était à l'intérieur de la caisse, il a rien eu. Ah non, lance-flamme cassé. Oh. Il doit être juste un petit peu cassé. T'as le truc, il va te broyer en mille morceaux, quoi. Vas-y, y a pas un bouton pour faire revenir ce machin là? Non. Examiner. L'extrémité est cassée, impossible de l'utiliser. Ah, du coup, je sais. Le lance-flamme, je vais le poser sur l'espèce de plaque avec des petits crochets là. Il devrait déverrouiller la porte. La plante rouge et verte, vas-y, je vais les garder. Oh mais putain! Ah putain, d'habitude elle attend. Enfin, ça dépend en fait. Du coup, elle m'attend du côté gauche, du côté. Ah, c'est quoi ce levier en fait? Il y a un levier, actionner? Oui. Oh! J'ai bien fait de passer par là. Non, c'est pas ici que je suis venu. Même si elle est pas très rapide, faut pas que je traîne trop. Ah ouais, ce que je pensais. En fait, le lance-flamme, il sert à... de clé, limite. Il sert à ouvrir une porte. Waouh! Elle est sympa la déco. Moi j'irai pas dans le local. Ah putain, il y a des serpents. Faut pas que je m'arrête. J'irai pas dans le local comme ça, j'aurais peur de choper des maladies. Poignard, c'est toujours pratique. Bon, je vais la prendre, je vais être un peu rempli
remplis de plantes, mais de toute façon je peux les fusionner pour gagner de la place si besoin. Donc c'est pas grave. Ah lol! Ça me fait revenir dans la cabane bah, où cette connasse m'avait attaqué. Du coup, c'est plutôt cohérent. Attends, je récupère une manivelle, un livre, deux livres plutôt. En fait, du coup, j'ai pas récupéré de clés ou quoi que ce soit, je sais pas trop dans quelle direction aller. Non, je vais inspecter le livre. Ah, un médaillon, médaillon du loup. L'autre livre, peut-être quelque chose dedans aussi. Il y a une boîte à musique, boîte à bijoux. Une cavité ronde d'environ 4 cm de diamètre. Non, ok. Non. Il était vide celui-là? Non, ok. Médaillon aussi. Médaillon de l'aigle. Bon, la boîte à musique, je sais pas comment faire. Les deux médaillons, je vais les garder. Putain. J'ai gaspillé une balle en le ratant complètement. J'ai pas pris de soins avec moi et là je passe dans une zone dans laquelle je suis déjà passé, donc où j'ai déjà ramassé tous les soins qu'il y avait. Donc je vais pas en trouver en chemin, donc faut que je fasse gaffe, bah, à pas crever quoi. Un zombie. Je sais pas si c'est un zombie rapide, je pense pas. Oh bah. En une balle sa tête a explosé. Il n'y a rien d'autre ici, il n'y a rien d'autre non plus. C'est pour ça que j'ai pris le petit flingue avec moi pour tuer les zombies tout pourris. On peut utiliser des balles de fusil pour ça.
Dans la cour. Le seul endroit où je vois où je pourrais poser un symbole du loup et de je sais plus quoi là, de l'aigle, c'est derrière les escaliers à l'entrée du manoir. Plus, je me souviens que derrière ces escaliers, on entendait un râle de monstre qui ressemble au râle de monstre enchaîné là. Je vais passer par le cimetière, c'est plus rapide. Alors qu'en vrai, putain, le cimetière, c'est le dernier endroit où j'irai, hein. En cas d'invasion zombie. Ouais, c'est pas ce que je me disais, c'est des marques. Octogonal là, moi les machins là, c'est des trucs ronds. Ouais, ça se met pas du tout ici du coup. Attends, où est-ce que je dois les mettre ces conneries? Est-ce qu'il y a un endroit où j'avais croisé de marques orthogonales? Deux cavités rondes. Ça doit pas être dans le manoir, hein. Je suis revenu pour rien. Je vais aller voir dans la cour, derrière la cascade, peut-être j'ai oublié un truc.
Pour la résidence, je crois que j'avais tout pris dans la résidence. Je vais faire une petite sauvegarde. Au cas où. Je vais charger le pistolet. Et j'ai plus que 3 balles de fusil. Je vais peut-être croiser Barry en train de se barrer. Sale traître. En vrai, je puisse récupérer le lance-grenade pour le placer sur les autres crochets qu'il y a. Ah, le fils de pute. Il a saboté le panneau de contrôle. Attends, du coup. Non, dans la pièce là-bas, j'ai déjà tout fouillé. Ça a rien d'y retourner. Ici, y a rien. Du coup, je peux pas descendre, fais chier. Ah si, en passant par la cabane. Oh, bah, je vais retourner voir ce monstre dégueulasse. Je vais voir dans le tunnel en bas si j'ai oublié de ramasser quelque chose. Ah non, je sais ce qu'il y aura. Non merde, c'est pas par là. Faut que j'aille reprendre l'ascenseur.
T'as la baraque, elle est tellement vieille, même les grilles, elles sont toutes penchées. Elles tiennent même plus droites, les portes. Ça me fait chier de retourner dans cette maison. C'est tout étroit, il n'y a qu'un seul chemin. En gros, si cette saloperie de monstre se met sur le chemin, je pourrais pas le buter. Il me défoncera la gueule. Et on redescend. Est-ce que j'aurais oublié un truc ici? Peut-être. Oh putain, je l'avais pas vu cette boîte et puis je joue à la con. Vous avez récupéré octogone de pierre. Ah bah tiens, un des deux octogones dont j'ai besoin. Une photo de famille accompagnée de quelques notes. Il y a quelque chose d'écrit au dos. Virus progenitor administré 10 novembre 67. Jessica, virus administré type A. Hémolyse des tissus lors de l'activation cellulaire, fusion du virus négative, action, destruction du corps. Ah, c'est plutôt con ça. Lisa, virus administré type B, plasmolyse des tissus lors de l'activation cellulaire, fusion du virus positive mais retardée, modification corporelle, résultat constant observé, état toujours sous observation pour protection. Georges, action, euthanasie. Ok, quelqu'un a laissé un journal. 14 novembre 67, la piqûre qu'on m'a faite me donne des vertiges. Je ne vois plus maman. Où l'ont-ils amenée? Elle avait promis qu'on s'échapperait ensemble. M'a-t-elle abandonné? 15 novembre 67, j'ai retrouvé maman. Nous avons dîné ensemble. J'étais très heureuse, mais ce n'était pas elle. Ce n'était pas ma vraie maman. Le même visage, mais différente à l'intérieur. Je dois la retrouver. Je dois lui rendre son visage. J'ai repris le visage de maman. Personne ne peut avoir ma maman sauf moi. J'ai mis son visage sur moi pour qu'elle ne s'en aille pas. Parce que maman, triste si je la retrouve sur son visage. Ok. Dans la boîte, odeur de maman. Vraie mère peut-être ici. Cube en pierre dure. Fait mal. Câble d'acier qui bloque. Pas voir maman à cause de quatre pierres. Ok. Donc je suis en train de me dire, je viens de récupérer un des symboles octogonal machin chouette dans la boîte à musique. Se dire que l'autre symbole octogonal il est probablement dans l'autre boîte à musique que j'ai déjà. Faut juste que je trouve un moyen de l'ouvrir. J'ai pas tout fouillé dans cette zone là apparemment. Sur la map ça me l'indique en rouge, donc j'ai encore des trucs à y ramasser. Ah tiens, je peux monter là-dessus. Ah tiens, je peux monter là-dessus. Oh putain, oui. Des munitions de magnum, des munitions de pistolet et un taser.
Rien que pour les musiciens de Magnum, ça valait le coup de revenir. Je l'entends du côté droit. Non, elle est là. Bon, elle est là, merde. Donc ici, il doit y avoir des objets ramassés vu que ça clignote en rouge. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Ah tiens. Bon. Je vais récupérer l'autre boîte à musique là. Où est-elle? Putain, où est-ce que je l'ai rangée cette saloperie? Ah voilà, boîte à bijoux. Non. Non. Cavité ronde d'environ 4 cm de diamètre. Putain, je sais pas ce que je dois y mettre. Coup de sûr, c'est pas ce machin jaune. Ça, pas de ce machin rouge non plus. Putain, c'est le machin rouge. Sa mère, c'est qu'à chaque fois j'avais essayé, j'avais essayé avec le jaune et pas avec le rouge. Ok, je peux le faire pivoter. Putain, vu comme ça, je sais pas si c'est. Je sais pas du tout si je la mets dans le bon sens. Ouais, je pense que comme ça c'est mieux. Ah, ils font chier. C'est pour du chichi là. Eh ben putain!
Eh bah putain. Putain, ces deux gemmes à la con et cette boîte à bijoux à la con, je l'avais depuis 50 ans. J'avais essayé de fusionner la gemme jaune avec la boîte, mais pas la gemme rouge, en me disant que la gemme jaune et la gemme rouge, de toute façon, c'était pareil, elles devaient aller ensemble dans une. Dans je ne sais quelle porte ou connerie de mécanisme. Eh ben non, même pas. Ils s'utilisent pas du tout ensemble, la gemme rouge et la gemme jaune. Où sont les munitions de Magnum? Hop, hop, hop. Poser les munitions de petit flingue. Je vais me prendre du soin au cas où. J'ai toujours pas entièrement exploré l'endroit. Apparemment, j'ai oublié un truc, vu que ça clignote en rouge. Peut-être oublier un machin dans le broyeur. Oh bah non, je sais pas. Je vois pas ce que j'aurais oublié ici. Bon, du coup, en tout cas, j'ai récupéré une clé, je sais où aller. Ah, elle est de quel côté? Côté gauche d'après les bruits de pas. Putain! Mais c'est dingue à chaque fois. Chaque fois, elle est du côté où je vais. C'est la deuxième fois que je perds du temps à cause d'un objet à la con à utiliser. Du coup, la clé, je sais où je dois l'utiliser. Je crois qu'il y a un seul endroit. C'est direct, ça sera directement en arrivant dans le manoir. Dans la pièce où il y a le premier Hunter qui arrive, avec une petite cinématique même, en vue intérieure. Les sprays, je les prends toujours pas. Ça sera dans la pièce suivante que je vais pouvoir utiliser la clé.
pour ouvrir l'une des dernières portes du manoir que j'ai pas encore pu ouvrir. La dernière, peut-être même. Oui, je la balance. Dire que... Ah tiens, encore un truc octogonal, génial. Dire qu'on se casse les couilles comme un ouf, genre ça fait 8 heures qu'on est dans le manoir à chercher partout, tout ça pour avoir cette clé là, alors que la fenêtre est ouverte et qu'on est au rez-de-chaussée. Putain de merde. Ah, des munitions de fusil. Est-ce que je laisse la lumière allumée en partant? Ouais, je m'en fous, ça fera une grosse facture d'électricité à ces bâtards. Tac tac, examiner un objet en alliage. L'emblème est gravé dessus. Rien d'inhabituel. Attends, j'ai deux objets de forme octogonale là. J'ai deux trucs octogonales, mais il y en a un c'est qu'un contour et l'autre c'est une plaque entière. Du coup, je me demande si le truc qui n'est que le contour peut être utilisé tel quel. Putain, je sais pas où je l'ai rangé. C'est ce que je me disais, fait chier. Ça fait un seul et même objet. Du coup, ça veut dire qu'il m'en manque un deuxième. J'ai aucune idée d'où l'obtenir. Joyau jaune. Joyau de merde. Briquet, pistolet d'autodéfense, médaillon du loup, médaillon de l'aigle. Manivelle grenade. Une petite sauvegarde. Même si j'aime pas trop sauvegarder dans cette pièce, parce qu'elle donne elle donne pas directement accès au hall du manoir. J'aime bien pouvoir aller facilement dans le hall du manoir, parce qu'il donne accès un peu partout dans le manoir.
Bon. Mais je vais essayer d'aller poser le truc octogonal que j'ai là en espérant que il suffise à déverrouiller une porte ou une connerie. Ça se trouve, faut bourriner de balles l'autre cône enchaîné là. Et à un moment, bah, peut-être qu'on arrive finalement à la tuer puis qu'on récupère un objet, je sais pas. Ah, je sais peut-être où je vais utiliser l'œil jaune. Dans l'espèce de tête de tigre. Je vais d'abord aller poser le truc que j'ai sous moi là. Ce qui va sûrement pas suffire pour ouvrir la porte. Non, regarde la bouffonne, tu viens de la poser, c'est pas pour la récupérer. Alors, bon, déjà, faut que j'atteigne un coffre. Ensuite, ouais, si c'est bon, je sais où aller. Je dis ça, sauf que je me plante d'endroit où aller. Plutôt passer par le dessus. Alors, je vais prendre le diamant jaune. En plus, le diamant rouge, il était lié à l'obtention d'un des octogones. Donc, avec un peu de chance, le diamant jaune aussi. Ce sera l'obtention de l'autre, du deuxième octogone. Putain! Ça c'est trop mal fait. Si on tire un peu trop tôt, la balle le traverse. Parce que ça m'a fait avec la balle de fusil il y a 2 secondes et là ça me le fait avec la balle de lance-grenade. Je crois que les hunters là, contrairement aux zombies, il n'y a pas besoin de cramer leur cadavre, ils se relèvent pas. Oh yes! Allez, 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 dites-moi que ça me refile l'octogone! Un CD de merde, mais je sais même pas quoi en foutre de CD à la con, putain! Disque MO! Il semble qu'il s'agisse d'un disque permettant de réinitialiser un système. Ben c'est génial. J'avais besoin d'un objet. J'en ai récupéré un autre. Dont je connais absolument pas l'utilité. Oh putain, la porte elle est ouverte, défoncée. Ah ok, cette pièce est devenue un seul grand couloir. Ah c'est marrant ça.
récupérer l'hexagone du coup. L'octogone, pardon. J'ai tout fouillé partout. C'est marrant le manoir sur la minimap, il est indiqué comme, comme une pièce dans laquelle j'ai quelque chose à ramasser. Mais je sais pas quoi. Cette autre marque a quelque chose d'étrange. Pas où il est le deuxième machin. Et là ça me fait chier, je risque de tourner en rond longtemps avant de trouver. Je sais pas où aller. À part retourner voir l'autre et c'est la blindée de balles. Ah, ça m'embête. Bon, je vais aller voir. Le monstre zombie là, puis enfin le monstre a plusieurs visages enchaînés, puis essayer de le tuer. Je vais retourner ici voir si j'oublie un truc, même si je pense pas. Ils sont trompés, il y a écrit allumer la lampe, oui, non. Quand je mets oui, ben ça l'éteint. Ah, je peux le récupérer? Ah, mais oui, je peux le récupérer. Hop.
Putain, génial. Bon bah voilà, j'ai d'autres octogones. Ah, putain. En passant à côté, je me suis dit, allez, peut-être que... Je me disais bien que j'en avais eu un d'objet octogonal. J'ai bien fait de vérifier si je pouvais le ramasser ce truc-là. C'est un peu chiant parce que d'habitude, un objet, une fois qu'on l'a posé, on peut pas le récupérer, quoi. Du coup, c'est pas instinctif d'essayer de récupérer un objet déjà posé. En tout cas, je viens d'économiser plein de munitions en n'ayant pas besoin d'aller tester de tuer le monstre probablement invulnérable. Génial! Les deux emblèmes s'emboîtent parfaitement dans la porte. L'ouvrir? Non, non, on va pas l'ouvrir. Je suis cassé le cul pendant 50 ans. Une vieille machine à écrire. Si j'avais un ruban encreur, je pourrais sauvegarder ma progression. Eh bien, t'en as pas. Ah, bon, bah, du coup, vu qu'il y a un coffre, si je peux en avoir un. Et ouais, allez, vas-y, je me fais un sauvegarde. Hein. Je sais pas, en plus, je sens le boss ou un truc comme ça. I7-4, hop là. Je vais prendre des grenades d'acide au cas où il y ait un boss. Oh non, tiens, je vais prendre des grenades incendiaires au cas où il y a un boss. Ah merde, faut que je pose le ruban de fer. Cet endroit est séparé du hall de la maison puis par une petite grille à la con. Enfin, une petite grille à la con. Bon, on a besoin de 8 heures de recherche à travers toute la maison et les alentours pour ouvrir la porte, mais pour ouvrir l'accès. Ce que je veux dire, c'est que l'humidité qui vient des cavernes, ça doit se ressentir dans le hall. Je peux pas faire le tour. Si, je peux. Rien à récupérer. Directement. Bon, plus qu'à descendre. Salut, Albi Muf, MUFC? MUFC? Albi? Non, Albi ou Alibi? Alibi. You're alive. Ah, tiens. I was worried because I thought. Ouais, c'est ça, fils de pute. Oh, mais quelle lopette. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me. Je savais que ça sentait le boss. Oh. No time to talk. Jill, hand me my gun. Thanks, Jill.
plutôt résistante. Non, c'est bon, elle bosse. Non. Oh merde, plus de balles. Ah, je suis con. Ok, je vois, je vois, je vois. C'est pas un boss à tuer en tirant dessus, en fait. Plutôt un boss à avoir en la piégeant. Oh. Oh, il m'a mis une petite mandale dans le dos. Du coup, je viens d'utiliser plein de munitions pour rien. Ah, tu l'as fini hier pour la première fois? Bah putain, bien joué. Bien joué, bien joué. Je l'avais fait il y a longtemps à l'époque sur GameCube. Enfin, j'avais fait la version PlayStation à l'époque sur PlayStation. Hop, après avec le remake GameCube, je l'avais fait aussi. Et c'est un putain de remake super cool. Du coup, vu que ça fait longtemps que j'y avais pas joué, j'avais envie de me le refaire. Parce qu'il est vraiment super bien. Et là, vu toutes les munitions que j'ai gaspillées, je vais charger la partie. Vu que j'ai sauvegardé il y a pas longtemps en plus. J'ai gaspillé trop de munitions. Au pire cauchemar, sommeil dans les ténèbres. Salut Gingafi. Salut à toi et bienvenue. Alors, hop, je vais poser ça. Du coup, là, en fait, des munitions, je pense en avoir assez. Je vais me prendre un petit soin au cas où elle me touche quand même. C'est rare les remakes. Qui valent le coup comme celui-ci, quoi. Ce qu'il apporte vraiment plein de trucs par rapport au Resident Evil de PS1. Bah, par exemple, là, ce boss-là, il n'existe pas sur PS1. Y a pas. Alors, oui, je vais rendre l'arme à Barry. Parce que même si c'est un traître, il avait quand même parlé de... On l'avait quand même demandé, entendu demander à quelqu'un des nouvelles de sa famille. Donc je suis sûr qu'on le fait chanter, ce pauvre petit Barry. Putain, ah, je peux pas. Je... Ah, purée, elle a eu le temps de nous mettre une mandale. Bon, Barry, ça serait bien que tu mettes plus d'une balle... 10 secondes. C'est bon, est-ce qu'elle va se... Ouais, si c'est bon, ça enclenche directement le truc. Et elle va sauter avec. Ouais, du coup, c'est un boss qu'on peut faire sans même gaspiller une seule balle. Je suis en train de faire la run au cut pour faire le succès, c'est dur. Oh, au couteau! Oh là 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 là, laisse tomber. Bon, je serai même pas. Non, merci. Est-ce que je peux lui parler à Barine? I don't believe that thing's really dead. Leave this place up to me and go on ahead. Okay. Quoi? Tu lui fais encore confiance? Ah, moi je lui ai filé le flingue parce que bon. Je préfère m'allier à lui pour tuer un monstre invulnérable que d'être tout seul contre le monstre, mais c'est pas pour ça qu'après la baston, je vais le laisser tranquille, quoi. J'ai pris l'arme aussi. Oh là 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 là. Moi, je fais le jeu normalement. Ah, purée. C'est là que je vais avoir besoin des symboles. Bah, du coup, faut que je redescende.
Je vais avoir besoin des symboles loup et aigle ici. Je fais le jeu à l'ancienne sans en mode de difficulté normale. Hop là. Sans essayer de faire du speedrun, sans essayer de limiter mon nombre de sauvegardes. La seule limite que je m'impose en fait, c'est de pas utiliser les sprays. Parce que j'ai toujours joué sans utiliser les sprays. Du coup, avec le défi couteau, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Faut vraiment tout, faire tout le jeu qu'au couteau? Même les boss? Alors, je vais me prendre une herbe verte. Ah bah non, j'en ai déjà une herbe verte. Alors, où sont les médaillons? Hop, donc, qu'est-ce que j'ai comme munitions là? Ouais, si, c'est bon, ça va. Tout le jeu au couteau. Oh là 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 là. Laisse tomber. Je me dis genre le serpent au couteau, mais il doit être tellement chiant. Les araignées aussi au couteau, elles doivent être chiantes. Même les zombies au couteau, ils doivent être chiants. Les chiens au couteau, ils doivent être chiants. Dans la crypte, c'est dur. Ah ouais, avec le zombie qu'on fait sortir du cercueil, ouais, bah grave. J'imagine. Un emblème d'aigle, hop. Merde, le truc du loup, il était. Voilà. C'est bon, il est là. Je vais même pas essayer d'ouvrir la grande porte là. Moi, je suppose qu'elle était fermée, hein. N'empêche, le monstre avec les mains attachées, il était tout le temps là où on va, quoi. À croire que lui, il avait pas besoin de se casser le cul à trouver des clés. Le signe indique ne s'ouvre qu'en cas d'urgence absolue. Ok. Ça veut dire il va y avoir une urgence absolue et ça va s'ouvrir. Une machine à écrire. Je vais pas sauvegarder ça. Là, en termes de jeu, ça fait quoi? Ça fait même pas 5 minutes que j'ai sauvegardé. Hop. Est-ce que je garde mes munitions comme ça? Ouais, si, ça va, ça me suffit. Ouais, je joue sur PC, ouais. Je crois que c'est un zombie rapide, ça. Non, c'est pas un zombie rapide. Pas un zombie rapide, mais c'est un zombie résistant. 10 balles il m'a fallu. Bon. Attends, est-ce qu'il y avait un coffre dans la salle d'à côté? Oui, si, il y avait un coffre. Je vais aller recharger mon pistolet.
Je vais peut-être même prendre mes balles de pistolet. Tiens, je me dis s'il y a plusieurs zombies dans le champ. Autant me les faire au pistolet et pas me les faire au fusil. On va pas gaspiller les munitions pour des zombies aussi simples à buter. Faudrait peut-être que je brûle le cadavre. Ouais. Je vais aller chercher le briquet et puis le kérosène. Le briquet et la gourde, pardon. Gourde qui, elle, contient du kérosène. Le reflet de Jill dans le hublot, il m'a fait peur. Donc ouais, je joue sur PC à la version HD Remaster. Hop, je vais en profiter pour remplir ma gourde. Où est l'autre zombie? Je sais pas si je le touche là. C'est bon, il est bel et bien mort. Ah si, je l'enflamme. Est-ce que ça va enflammer les plantes à côté? Non, c'est bon. Je viens de récupérer un disque MO, je me demande si je vais pas devoir en récupérer un deuxième. Yo Vilkaïs, ouais, toujours la forme. Je pensais pas te voir venir à une heure aussi tardive. Oh, quoi qu'en général, tu restes assez tard quand même. Et toi, ça va? Je vais attendre qu'il se relève. Ah, là je crois que sa cervelle a explosé. Ah, ok, il y a un autre zombie ici. Eh ben, il me reste plus beaucoup de balles de pistolet, dis donc. Alors, hop, je vais rebrûler un cadavre. Vu qu'il me reste que 3 balles, je vais passer au fusil. Ouais, j'ai un compte Steam, ouais. Mon pseudo sur Steam, c'est Nova Proxima. C'est très simple. Je crois que. Par contre, sur Steam, je suis pas sûr. Je crois qu'il y a un underscore entre Nova et Proxima. Donc le tiret du 8. Mais je suis pas sûr. Cherche Nova Proxima. Tout attaché. Si tu ne trouves pas, c'est Nova underscore Proxima. V-Act, note du chercheur. Tout tend à démontrer que le virus T affecte le génome de l'organisme hôte. Nous avons maintenant la preuve qu'une fois que l'individu a perdu connaissance, le corps entre dans un état latent. Pendant cette période, le virus s'active et transforme rapidement l'organisme en reposant sa structure de base. L'hôte finit par prendre la forme d'une créature humanoïde que nous appelons V-Act. La vitesse à laquelle le virus agit et le développement musculaire important qu'il entraîne sont particulièrement remarquables. Après la mutation, l'individu devient plus agile et plus agressif. 4 de nos chercheurs ont déjà péri en tentant de le nourrir. Cela s'est terminé dans un véritable bain de sang.
Depuis cet incident tragique et horrible, nous avons baptisé l'espèce Tête Sanglante. Impossible de laisser ce précieux spécimen là où il est. Nous devons trouver une solution. Bien sûr, il est hors de question de le détruire. Nous avons finalement décidé de congeler le spécimen et de confiner son corps dans le sous-sol du cimetière de la cour. Le sous-sol du cimetière. Ah bah c'est celui qui était dans le cercueil, ça veut dire. Il n'était pas congelé. Umbrella, nanana, nanana. Login, password, j'en ai aucune idée. Non mais ça a pas marché. Ouais, je sais que ça n'allait pas marcher. Oh, ça fait flipper ça. Autant de corps emballés juste à côté de moi. Attends. Il n'y a rien ici. Attends. Je regarde s'il y a un mot de passe ou un truc comme ça que j'aurais raté. Non, non. Ça fait voir côté document, ouais, côté document, j'en ai oublié, j'ai l'impression. Hein. En tout cas, dans la cour résidence, j'en ai que 4. Alors, je suis pas sûr qu'il y en ait 5. Hein. Hop. Bon. Je vais rien trouver d'autre ici. Là, tu te rapproches de la fin, je me rappelle de cet endroit. Ouais, de toute façon, le laboratoire dans les Resident Evil, hein, c'est toujours vers la fin. Enfin, en tout cas dans le 1 et le 2. Dans le 3... ouais, dans le 3, je sais plus si on passe par un laboratoire à la fin, en fait. Ok, c'est verrouillé. Un symbole ressemblant à une zone haute tension est gravé sur la serrure. Ok, ça marche. Ok. Pareil ici. Symbole de haute tension. Un chargeur pour pistolet. C'est génial. Ça m'encombre l'inventaire. Et merde. Un poignard. Attends, il y a rien sur la table ici à récupérer là? Non, on dirait pas. Du coup, ça m'embête, je vais aller dans cette salle, mais je vais rien pouvoir ramasser. Je vais aller poser des objets et après je reviens dans la salle. Au début, tu l'as fait sur console, toi, le jeu? Au début, Gingafi d'ailleurs. Le disque est mort, je sais pas si je vais m'en servir maintenant. Je vais quand même continuer de garder le briquet et la gourde pour cramer les cadavres. Je suis en bonne santé, je vais pas me... Je vais pas me faire chier à prendre une plante en chemin. Et je crois que je viens d'avoir une bestiole avec plein de pattes passer derrière mon écran.
purée de sa maman et je la vois pas. Je sais pas où elle est passée. Oh putain, mais à quoi elles servent les trousses de premier secours? Je sais pas du tout. Je sais pas comment on les ouvre. Je sais pas comment. Prendre radiographie. J'ai même pas essayé de les utiliser en fait, les trousses de premier secours d'ailleurs. Ça se trouve, c'est juste des soins. Prendre une radiographie. Ouais. Un mémo épinglé au tableau attire votre attention. Il y a quelque chose de griffonné. Pour utiliser la porte électrique, placez les initiales alphabétiquement. Ok, donc on a le E de l'œsophage. Ensuite, on va avoir les L. Donc, putain, la bestiole, je l'ai revue. Ah, sa mère, j'ai rien pour l'écraser à portée de main. Attendez. Faut que je fasse mon tueur de bébêtes IRL. C'est bon, le monstre est mort. Si je me rappelle, c'est quand t'as vraiment peu de PV, ça t'origine full life. Ah, d'accord. En gros, c'est comme les sprays, quoi. D'accord, ok. Je crois que ces trousses de soins là, elles n'existaient pas sur PS1 et sur GameCube, je m'en souviens pas non plus. Même si elles étaient sûrement là, par contre, sur GameCube. Du coup, j'étais pas sûr de l'effet qu'elles avaient. Alors donc, SS. Ma chère Aïda. Aida, c'est Aida Wong, donc qu'on voit pour la première fois dans Resident Evil 2. Elle se fait passer pour la meuf d'un journaliste. Et qu'on voit ensuite dans Resident Evil 4. Hein, qui a un rôle assez important. Lorsque tu poseras les yeux sur cette lettre, je ne serai sans doute plus celui que tu connaissais. J'ai reçu le résultat de mes analyses aujourd'hui. Comme je m'y attendais, elles sont positives. J'ai l'impression de perdre la tête quand je pense à ce qui m'attend. Je ferai n'importe quoi pour ne pas devenir comme eux. Pour autant que je sache, tu n'as pas été contaminé. J'espère que nous n'en arriverons pas là. Mais s'il s'avère que tu es la dernière survivante, je veux que tu ailles chercher les informations qui se trouvent dans la salle des données visuelles. Ensuite, active le système d'autodestruction dans la salle haute tension et enfuis-toi. Je t'en prie, fais tout ce que tu peux pour que personne ne sache rien de cet accident. Accident. Si tout fonctionne encore correctement, tu devrais pouvoir débloquer toutes les serrures à l'aide du système de sécurité. J'ai configuré le terminal de la petite salle de sécurité de façon à ce que tu puisses accéder au système en tapant mon nom et le mot de passe que j'ai choisi, c'est-à-dire ton prénom. Pour ouvrir la porte du sous-sol 2 où se trouve la salle des données visuelles, tu devras saisir un autre mot de passe. Par mesure de précaution, j'ai codé ce mot de passe dans une radiographie. Je te connais et je suis sûr que tu n'auras aucun mal à le découvrir. Une dernière chose, et ceci est mon ultime volonté, j'espère que tu ne me verras jamais dans cet état. Mais si je me transforme en l'un de ces monstres, je te supplie d'abréger mes souffrances. J'espère que tu comprends. Je te remercie, Aida. Bien à toi, John. John et Aida. John et Aida. Il y a une photo, je crois. Je crois qu'il y a une photo dans Resident Evil 2. Qu'on incarne Aida, qu'elle a dans son inventaire, et dessus c'est écrit John et Aida. On les voit ensemble. En tout cas, côté sécurité, le mec il met son nom.
Un utilisateur et le mot de passe de sa meuf en mot de passe. Le nom, prénom de sa meuf en mot de passe. C'est pas top. Ed Fisher. Alan Baker. Je pensais que c'était les initiales de ce truc-là. Peut-être que je me plante. Peut-être les initiales de ces trucs là. On a Alex Becher, Clark David. Non, ça me semble pas mal. ABCD, non, ça me semble bien ça. FGH, non, ça me semble. En fait, elle me semble déjà bien placée là. Ouais. Une partie rougeoie, une partie rougeoie, une partie rougeoie, une partie rougeoie. Ok. Ok. Du coup, putain. Alors du coup, je me dis les initiales, putain, c'est les initiales de quoi, hein? Ça voudrait dire que le nom des personnes n'a plus d'importance. Ça c'est quoi? Ça c'est le colon. Donc on a un C, donc il est en premier, ce qui est assez logique. Là on a l'œsophage qui a un E, donc c'est plutôt logique aussi. Ici on a l'estomac, ici les poumons. Liver, tac, lunch. Voilà, c'est là aussi, c'est pareil, c'est déjà classé dans le bon ordre. Non, putain, non, 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 laisse les radios tranquilles. Je me dis que ça devrait être déverrouillé la porte électronique. J'ai l'impression d'avoir classé les trucs dans le bon ordre, quoi. Non, tu fais examiner sur la trousse de soins et elle doit s'ouvrir. Et t'as des objets dedans. Mais je l'ai fait 50 fois pourtant. Attends, je vais te montrer. Hop, examiner. Rien d'inhabituel et puis c'est tout. Ça s'ouvre pas. Elles sont toutes comme ça. Je vais utiliser le mot de passe John et Ada. C'est le même bruit que dans Dino Crisis. Merde.
Merde. Je me souviens plus des initiales. Ouais, l'œsophage, le côlon. Au pif. Nickel pour B3F. Par contre, le B2, je me suis planté. Oui, du coup, je vais regarder mes documents. Dans une radiographie. Je te connais, je suis sûr que tu n'auras aucun mal à l'ouvrir. Attends. Oh putain, faut que je recommence. Chier. Ah. LLLESS. Non, c'est pas ça, Vilcrez. C'est pas LLLESS. Ah, flûte. Attends, je vais essayer celui que tu m'as dit. Peut-être que je me suis planté. Une, deux, trois. SS. Il manque pas le colon. Attends, je sais ce que je vais faire. Je vais pas me prendre la tête. J'ai pas envie de faire un aller-retour. Ok, c'est bon. Je sais. Hop. Le côlon, l'œsophage, l'estomac et le poumon. Ce qui donne sel, cellule, ce qui est plutôt cohérent. Attends, la porte que ça vient de me déverrouiller. Du coup, ça doit être celle-ci, dans le couloir là, à droite. Dans mes souvenirs, il y avait une prison ici, à cet endroit-là.
Je m'éloigne un peu. Ah, j'en ai même deux des disques, sauf que je les ai pas sur moi. Fax au service sanitaire, à l'intention du directeur des services sanitaires du comité d'alerte de Raccoon. Ce rapport est strictement confidentiel et ne doit être lu que par la personne à qui il est adressé. Toute copie ou divulgation, blablabla. Les dégâts entraînés par l'épidémie de virus T seront bien plus importants que ceux que nous avions initialement prévus. Nous portons donc les faits suivants à votre attention. Premièrement, plus de la moitié des chercheurs ont été infectés par le virus T et sont morts. De plus, la quasi-totalité des survivants commence à manifester des symptômes de l'infection. Deuxièmement, notre équipe secrète de sécurité a été totalement anéantie. Par conséquent, nos recherches ultra-secrètes risquent d'être dévoilées au grand jour. Ultra-secrètes. Nous vous demandons d'agir immédiatement avant que les médias ne s'arrachent l'affaire. Troisièmement, il y a de grandes chances pour que la plupart des spécimens errent en liberté dans le complexe. On peut s'attendre à une augmentation du nombre de victimes. Il manque un mot là. Ah, une augmentation du nombre de victimes. Bien que la mort de ces personnes soit très regrettable, ces événements confirment le succès de nos recherches. Ah bah bravo, super, champagne. Il nous faut agir sans attendre pour que les résultats de nos recherches ne soient pas divulgués au grand public. Nous pensons que la première intervention officielle sera le fait de la police d'État et des Stars. Nous vous recommandons fortement de prendre dès maintenant les mesures nécessaires les concernant. On dirait qu'il y a quelque chose derrière cette lourde porte. L'ouvrir? Oui. Attention, risque d'explosion en cas de choc. C'est sûrement un appareil de ravitaillement en carburant. Alors, oui, je vais brûler son cadavre. Je sais ce que je vais faire. Je vais retourner au coffre pour poser ben, ce que j'ai à poser. Hein. Et je vais revenir ici après. Je vais aussi en profiter pour poser le petit flingue. Je vais pas aller loin avec 5 ou 6 balles. Je vais me faire une petite sauvegarde quand même. Alors je vais poser ça et ça, le flingue un peu inutile, et je vais me prendre les grenades incendiaires. Filtre à diapo, je vais le garder, je me dis qu'il pourrait m'être utile. Non, je vais pas sauvegarder maintenant en fait. Ah, quoique si, si. Il y a des trucs que j'ai pas envie de recommencer si je crève. Thank you.
Ah oui, j'ai oublié de récupérer les disques MO, quel con. Umbrella Bioorganic Weapon Official Report. Du matériel publicitaire pour les armes biologiques de Umbrella. MA39 Cerberus. Oh, c'est les chiens ça. FI03 Neptune. Oh, c'est les requins. MA121 Hunter. Oh, c'est les Hunters. T002 Tyran. C'est le Tyran. Groupe de recherche sur les armes biologiques. Équipe de développement. Et là, on peut voir à droite un mec qui ressemble étrangement à Wesker. 8462. Ok. Protocole de sécurité. Héliport réservé aux membres de la direction. Cette restriction ne s'applique pas en cas d'urgence. Bah putain, heureusement. Passage vers Héliport, entrée interdite, hormis en présence d'un conseiller en recherche ou en directeur de la sécurité. Ordre est donné de tirer à vue sur toute personne non autorisée. Ascenseur s'arrêtera en cas d'urgence. Salle des données visuelles. Accès réservé à la division de recherche spécialisée. Seul Case Arvin, directeur de cette salle, peut donner à d'autres personnes l'autorisation d'y entrer. Prison. La prison est sous la responsabilité des services sanitaires. Au moins un conseiller en recherche, E. Smith, S. Ross, Albert Wesker, doit être présent en cas d'utilisation d'un virus. Porte à triple verrou. L'entrée dans cette pièce est limitée à la personne qui désactive la serrure à l'aide de tous les codes d'accès. L'accès aux terminaux situés dans chaque section des directeurs de recherche désactive la serrure. Salle haute tension. Dans cette pièce, la principale source d'énergie est un composant à base de nitroglycérine. Son accès est restreint en surveillant du quartier général. Cette restriction ne s'applique pas aux conseillers en recherche disposant d'une autorisation spéciale. Terminaux de code d'accès. L'utilisation de ces terminaux est réservée aux principaux chercheurs. Sous-sol niveau moins 4. En ce qui concerne les progrès de Tyran après l'administration du virus, le reste du document est-il lisible? Et du coup, j'ai oublié le code de la diapo. Huit quatre six deux. Ah bah merci Wilkins, tu me l'avais donné en plus le mot de passe. Ouais, c'est pas grave. Les mots de passe quand ils sont assez simples à avoir comme ça. Ah oui, tiens, je vais regarder la cassette des canettes. Ah, il est nul, c'est censé être un flic d'une unité spéciale et il se fait avoir par un zombie tout seul. Alors je vais aller chercher le disque MO. En passant, je vais ramasser les plantes pour les mettre dans mon coffre. Vas-y, je vais rester comme ça. Ça sont les trois disques MO, je vais les utiliser, la clé aussi. Donc je vais rapidement libérer 4 places dans mon inventaire.
ça. Je vais les ramasser. Alors, le truc des disques à mots. Ah merde, faut que j'aille activer le levier à chaque fois. Ça va être un peu chiant. Ne pas pouvoir mettre les trois disques d'un coup. Ah merde, c'est un disque par petit boîtier comme ça, d'accord. Ah merde, je crois qu'on mettrait les trois dans le même truc, mais non, non. En gros, faut que je trouve deux petits boîtiers, deux autres petits boîtiers à la con comme ça dans ce laboratoire. Ça va vraiment être, du coup, là, ça veut dire que je vais me balader avec deux boîtiers. Inutile. Tu me bouffes de la place. Est-ce que je vais pouvoir... Ouais. Hop. C'est quoi? Et voilà, comme ça je la balance direct. Oui. J'entends un truc. Oh merde, je voulais pas. Oh, je sais pas où je tire ni sur quoi je tire. Putain, mais pareil, je voulais pas faire ça. Sa mère. Il est mort. Bon, apparemment oui. Est-ce qu'il y en a un autre qui va sortir? Si vous aviez un disque MO, évidemment j'en ai un. Je pousse des trucs sans trop savoir ce que je fais, mais apparemment, c'est ce qu'il faut faire. Non. Allez, sans.
Oui, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Du coup... Attends, attends, attends. Il y a une issue par là. Et par là. Ici, où est-ce que ça m'amène? Ok. Bon. Bon bah du coup je crois que j'ai fait ce que j'avais à faire ici. Je vais aller dans le couloir sur le côté. Une salle de sauvegarde, comme je m'en souvenais. Alors, on va prendre les munitions de fusil, les munitions de lance-grenade, d'ailleurs les grenades incendiaires. J'irai les déposer. Hop. C'est bien le lance-grenade, il peut accueillir beaucoup de, une grande quantité de munitions, quoi. Le ruban ancreur, je le prends. Ça, je vais le ramasser histoire de le mettre dans le coffre. Je fais un peu de rangement. Alors, je vais déposer les grenades incendiaires. Je vais garder les munitions de fusil et je vais déposer le spray inutile. Voilà, je suis suffisamment armé comme ça. Je fais la sauvegarde. Ensuite, je redépose le ruban ancreur et je vais continuer l'exploration. Alors, vers le haut ou vers le bas? Vers le haut. Ouais, c'est un ascenseur inutilisable. Y a toujours des problèmes d'alimentation, hein. Dès que quelque chose fonctionne à l'électricité là-dedans, il hein, faut d'abord trouver le générateur pour l'activer. Sauf la lumière, heureusement. Ah, tiens, il va y avoir du monstre. Je vais essayer de... Oh putain, ah, je suis entré direct puisqu'il apparaissait dans mon dos et j'avais peur de pas avoir le temps de me retourner et de lui tirer dessus. Je vais d'abord fouiller la salle précédente. Ah purée.
Attention, risque d'explosion en cas de choc. Un dispositif permettant de ravitailler la salle haute tension. Il ne fonctionne pas car il n'y a pas de carburant, il y a une capsule vide. Prendre capsule de carburant? Ça me fait peur cette histoire de choc là. Ah bon, c'est vide, ça va alors. Si c'est vide, ça risque pas de m'exploser dans la gueule. Du coup... Voilà, je préférais tuer... Je préférais tuer tous les monstres du coin avant d'aller le chercher, avant d'aller chercher le truc qui peut être explosif. Parce que je suppose que l'explosion en cas de choc, c'est-à-dire que si je me balade avec le truc, une fois qu'il contient le carburant et que je me fais genre attaquer, ça sera considéré comme un choc et le truc explosera et ça sera le game over. Donc là, il n'y a pas de monstre sur le chemin normalement. J'ai fait le ménage. Je peux aller chercher le produit dangereux. Ici, j'ai brûlé les cadavres des zombies, il n'aurait pas pour se relever. Risque d'exploser en cas de choc. Est-ce que ça veut dire que je dois pas courir? Ah bah tiens, ils sont gentils. Ce carburant est principalement composé de nitroglycérine. Le fait de courir pourrait provoquer une explosion mortelle. Donc, je me posais la question, ils sont extrêmement gentils, ils y ont répondu. Oui, courir risque de faire péter le machin. Donc je vais pas courir. Donc j'ai vraiment bien fait de tuer les monstres avant de venir chercher ce truc-là. Par contre, ils disent risque de faire exploser et pas fera exploser le truc. Donc peut-être qu'on a une petite tolérance, qu'on peut courir sur quelques petits mètres avant que ça explose, je sais pas. Ça me gratouille les moustaches. Doucement, on n'est pas pressé. Merde. Passer de l'autre côté. Voilà, c'est bon, je peux courir. Yahoo! Tout cas, j'espère que le stream vous plaît.
Pas d'autres monstres. Si, y en a d'autres. Ça, pour le coup, le fusil à pompe, il est assez efficace contre eux. Il faut entre 2 et 3 balles. Encore? Ah, oh, le bâtard. Reviens, saloperie. Putain, il veut pas revenir, allez! Ah, il me fait chier. Bon. C'est pas grave. Oui. Ah si si, putain, je pensais avoir plus de balles de fusil. Il va me toucher, et il m'a touché. Oh non, fallait viser vers le bas. Oh, il m'a mis direct en attention. Ah, il m'aura fait chier celui-ci. Ah bah dis donc, il est efficace le lance-grenade. Le mécanisme d'autodestruction du laboratoire, il est immense. C'est tout ce qu'il y a ici? Merde, je suis venu ici pour rien. Attends, elle veut... Ah, si. L'ascenseur principal n'est pas alimenté en électricité. Le mettre en marche? J'ai bien fait de refaire un petit tour pour vérifier que j'avais rien raté. Par contre, là, faut que j'aille me chercher des soins. Je sais pas pourquoi t'as fait oui, il crèse. Mais. Ton enthousiasme fait plaisir. Alors lui, j'ai. Ah tiens, il y a un autre truc à code là. J'ai failli pas le voir. Sans le monstre, je l'aurais peut-être pas vu ce truc là. J'avais peur de pas réussir à tuer le monstre et qu'il me touche parce que là je pense que s'il me touchait il me tuait. Vu les dégâts de ouf qu'il m'inflige ce bâtard. Je sais combien de balles? 10. Bon. Ça devrait le faire. Là je vais passer par la salle de sauvegarde. Où est-ce qu'elle était? Oh bah ouais, elle était juste sur le côté droit. Bah quand t'as dit, j'espère que le live vous plaît. Ah merci, ok. J'ai pas fait gaffe que c'était à ce moment-là. Que tu as dit oui. Alors je vais me prendre un mélange d'herbes vert et rouge. Je vais poser le fusil qui n'a plus de balles. Et je vais prendre des grenades acides. Au cas où. Est-ce que je me prends le magnum? Ou pas? Tiens d'ailleurs. Hop.
Allez, je vais me prendre le magnum si je rencontre un boss. J'aurai de quoi lui faire mal au cul. Je vais me faire une sauvegarde. De toute façon, j'ai 12 rubans ancreurs. Largement suffisant pour tout le reste du jeu. Alors. Du coup, je viens d'activer l'ascenseur et de déverrouiller la porte aux trois gros leviers, donc je vais aller directement voir cette porte. Et puis j'irai chercher la plante que j'ai laissée au-dessus après avoir fouillé ce qu'il y a au-delà de la porte blindée. Attends, elle a pu faire les deux leviers d'un coup. Qu'allons-nous trouver ici? Tu vas finir le jeu ce soir? Ouais, je pense le finir ce soir. Oh putain, il va être 4h du matin. Je pense le finir ce soir. Je suis pas sûr en fait. Si je le finis dans moins de 20 minutes, oui, sinon je sais pas. Ouais, c'est une prison ici. C'est bien ce que je me. C'est bien ce dont je me souvenais. Jill, there's something big going down, and I don't think we're part of the equation. I have to get you out of here. Ugh, it won't open. Wait, I'll be back to get you out. Okay, no sightseeing though. Ouais, oh, mec, calmos. Depuis le début du jeu, t'es tranquillement installé dans ta cellule là. Faut pas me faire chier. Bon. Cas ici c'est fermé. Donc je crois que ce qu'il faudra que je fasse c'est qu'il y aura l'autodestruction de la base, ça déverrouillera toutes les portes, dont cette porte de la prison. Et à ce moment-là je viendrai le chercher. Je vais aller chercher la plante. Et je vais aller prendre l'ascenseur. Je crois qu'il va y avoir une cinématique Barry ou Wesker qui vont intervenir, je sais plus. L'ascenseur fonctionne. Jill. Ouais, Barry. Ouais. Barry. Mais pourquoi t'agis comme si c'était ton pote Barry? C'est un connard de traître. Putain, à croire qu'il s'est rien passé quoi. Dans des choses pas très amicales, ouais. Alors. Ah bah en tout cas il reste avec moi. Si
je croise un monstre, je me barre, je le laisse se démerder, cet enculé. Oh, Wesker. Wesker. Thank you, Barry. Oh bah tiens, il m'a trahi. C'est aussi bizarre. Oh, don't blame Barry for everything. I hear that his better half and two lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. C'est ce que je pensais. Wesker, you're pathetic. Well, you shouldn't worry too much. Bon, en fait, je fais genre de découvrir, mais you'll be free of all this anyway. Je savais, depuis j'ai fait le jeu sur PS1 à l'époque. That's Umbrella's intention. You're just a slave of Umbrella. Smart girl, but I think you misunderstand me. The things you mention are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Barry, go up on the ground and wait there. Barry. You gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. You and Umbrella took his family, you bastard. Oh! Petite patate. Umbrella? Well, I used some carrots and sticks to cow him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used Barry for my personal interests. Though both you and Barry seemed to think I was following Umbrella's orders. What? What are you planning? I guess it's time for show and tell. Le tyran. Ouf. It's magnificent. For the sake of this thing. You know, I hate goodbyes. Ha! Barry! Forgive me. No, you're not to blame. It's Umbrella and Wesker. Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Shit! Uh-oh. Oh merde, j'ai pas sauvegardé juste avant de venir ici. Ah si, c'est pas grave, j'avais juste fait un aller-retour pour aller voir Chris en prison. Est-ce que je me suis équipé? Ouais si, normalement j'ai lance-grenade Magnum. Jill and Barry, together. In hell. You want a piece of me? What? Premature. Eh ben dis donc, les hommes, c'est un peu des lopettes dans ce truc. Viral cultured freak. Ça va être à la femme forte de s'en occuper. Oh merde. Ah par contre j'ai pas pris de plante. Ah ah. Le magnum c'est vraiment trop puissant. Barry. Barry. You're okay. Jill, sorry. I was careless of me. Wesker. He's gone. First, let's just get out of here. Dans le Resident Evil sur PlayStation, Wesker, il était vraiment laissé pour mort. En mode, il s'était fait transpercer le bide par le tyran. Et puis son cadavre, il restait par terre. Mais bon, après, dans les autres Resident Evil, ils se sont dit qu'il était vraiment quand même super classe, Wesker. Alors ils se sont dit on va le faire revenir et puis on va dire qu'il s'était injecté le virus T. Et là du coup vu que ce scénario avec Wesker qui était encore en vie existait déjà, bah, ils l'ont directement intégré au scénario de Resident Evil, du remake de Resident Evil 1. Bah si débloquer le verrouillage.
final, tu me suis, mais tu sers un peu à rien quand même, Barry, hein. Regarde s'il y a des trucs à récupérer, je fouille, je fouille. Apparemment non. Bon. Il me reste une balle de magnum, que je vais pas mal aller avec le magnum en main. Oh oh. Bon bah c'est le moment d'aller chercher Chris. Il mate tes fesses, ouais mais grave, c'est un pervers Barry. Il reste derrière, il fait rien. Ah bah il se barre sans moi. Pour une fois c'est lui qui prend les devants. Alors. Là, vu que je pense que ça va être la fin du jeu, je vais essayer de m'équiper un peu lourdement, entre guillemets. Fouillons le coffre. Je vais prendre les recharges de Magnum. Hop, les recharges incendiaires. Et voilà. Je vais sauvegarder le magnum de maintenant. Attends, non, il y a un truc que je veux faire avant de sauvegarder. Le tyran il m'a quand même mis une petite claque dans la gueule. Donc je vais me prendre une herbe verte. Parce que je pense que j'étais pas à 100% de mes points de vie. J'étais dans le vert mais pas à 100% je pense. Ou alors sinon ça voudrait dire que le tyran quand il m'a touché il m'a même pas... Il m'a même pas fait de dégâts du coup de tout, ce serait vraiment très bizarre. Mais non non je prends pas de soin, je prends pas de spray, j'aime pas du tout les sprays. Hop, et je vais me garder un emplacement libre au cas où j'ai besoin de ramasser un objet ou un truc du genre. Fais dodo la bête. Ça va, du coup je me dis que j'ai plutôt bien géré mes munitions. La serrure elle est déverrouillée, Chris il aurait même pas pensé à essayer de sortir de lui-même quoi. Il attendait sagement assis que quelqu'un vienne le chercher. Sorry about the wait. So everything's taken care of? Well, almost. Now let's get the hell out of here. Le truc c'est que là je me demande où je dois aller. Oh, attends. Ils me disent que la cellule de Chris
Elle est inexplorée. Il y a peut-être quelque chose à y ramasser. Ah, des munitions pour fusil. Non, j'ai même pas le fusil sur moi, ça me servira à rien. Entre le magnum et le lance-grenade, j'ai déjà suffisamment de munitions. Pas besoin de m'encombrer du fusil et de ses munitions. Ah, mais quel lâcheur lui aussi! Bah, mine de rien, là, je sais pas où je dois aller en fait. Par là, je... Attends, je vais relire la paperasse qui parlait de l'évacuation. Sous-sol niveau 1, moins 1. Rez-de-chaussée, héliport réservé aux membres de la nation. Hein. Du coup, je sais pas. Ouais, je sais pas trop où il est là. L'héliport. Je sais pas. Ouais, je vais faire une petite sauvegarde ici, tiens. Si ça peut m'éviter de me refaire 5 petites minutes de jeu dans le cas où je crève. Ah bah oui, la porte qui s'ouvre que en cas d'urgence. C'est cette porte là qui doit mener à l'héliport, je pense. Oh bah dis donc, il m'en donne des objets. Les trousses de soins, je dois avoir un bug, hein. Je peux pas les utiliser. En tout cas, j'ai pas besoin de ramasser les trucs. Quel timing? Ce connard, il pourrait pas se poser sur l'héliport et puis attendre que quelqu'un arrive. Non, non, lui, il se sent obligé de continuer à voler. Oh, tiens, il y a un truc par terre. Unité de fusil. Yeah, bon, ouais. J'ai bien fait de garder un emplacement libre dans mon inventaire. Putain, mais en plus, c'est tellement inutile de voir, de nous faire ramasser un objet 2 mètres devant l'endroit où on doit l'utiliser, quoi. C'est juste pour s'assurer qu'on ait un emplacement de libre en fait, je suis en train de me dire. Jill, you just get in contact with Brad. No. We can make it. Jill, ladies first. Chris, would you let me have my moments too? Ouais, c'est vrai que ce serait bien que tu sortes les doigts du cul, Chris.
Ouh, j'ai un compte à rebours. Je pense que le magnum fait plus de dégâts que les grenades incendiaires. Quoique je suis pas sûr à 100% parce que des grenades incendiaires on en a pas beaucoup quand même. Je vais garder les grenades incendiaires, je verrai bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Fusée de signalisation. Allez, 3 contre 1. On peut se le faire, les gars. Ouh. Mais pendant ce temps, Jill, qui est la mieux armée de toutes, se touche. Oh le bâtard! Ouh, ça c'est la grosse mandale! Ah ouais, direct en attention! Bon, je continue avec le magnum. Hein. Parce que le lance-grenade, j'ai pas l'impression. Yeah! J'approuve! Il nous enfile 4 des roquettes au cas où. Comme ça, si on se rate, ça va. On a encore 3 chances. Si on se rate 2 fois, on a encore 2 chances. Si on se rate 3 fois, on a encore 1 chance. Et si on se rate 4 fois, putain, on mérite de crever parce qu'on est vraiment nul. Au final, les munitions sont vraiment très très larges. Il me restait plein de grenades. Que ce soit incendiaire ou acide, ou même des grenades normales d'ailleurs. Youpi! Merci Vulcraze! GG à moi! Du coup, j'ai dû faire le jeu en quoi, en 11 heures, quelque chose comme ça, je dirais. J'ai perdu quoi, 1h30 à tourner en rond au bout d'un moment. Enfin, 1 heure à un moment, 30 minutes à un autre. Et en plus, j'ai la bonne fin. J'ai sauvé Barry et. Comment ça s'appelle? Et Chris. Donc elle, la meuf là qu'on voit, c'est Rebecca Chambers, et on la voit quand on joue avec Chris. Ce qui veut dire que quand je joue avec avec Claire, non pas avec Claire, avec Jill, bah elle reste dans le château, puis dans le manoir, et puis elle crève, vu qu'elle est pas dans l'hélico. Et je crois qu'avec avec Chris, c'est l'inverse. Avec Chris, on sauve Rebecca, mais Barry, il se retrouve pas dans l'avion et c'est lui qui meurt dans l'hélico.
Un jeu créé entre guillemets par Shinji Mikami. Mikami. C'est lui le papa un peu. Ah ben voilà, Shinji Mikami, director. Jill, you did a fine job. Ah non, 9h, oh, je pensais avoir mis 2h de plus. Du coup, ça veut dire que, comment avec, quand joue Chris, celui qui couvre nos arrières, quand on monte sur le toit pour appeler l'hélicoptère, quand on monte sur l'héliport pour appeler l'hélicoptère, c'est les deux femmes quoi. Ça fait un peu, allez les femmes restez en arrière, moi je vais juste taper l'hélico tranquille. Gilles a obtenu un nouveau costume, vous avez obtenu la clé du placard. Un nouveau costume est disponible, vous pouvez vous changer dans le vestiaire. Super. Tac 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 30. Eh ben écoute, je vais me garder le dernier emplacement. Continuer une fois de plus, option. C'est quoi une fois de plus? Ah, je sais pas ce que c'est une fois de plus. Expert, hein. Ah, une fois de plus, c'est ce qui remplace nouvelle partie en fait. Bon, je chargeais cette partie là et je vais me préparer à couper le stream. Ah ok d'accord, quand je fais continuer comme ça ok. Ah donc ok. Normal. Un nouveau costume est disponible. De toute façon je... Donc le stream de Resident Evil Remaster HD est terminé, j'en ferai pas d'autres, je vais pas me fatiguer à faire la version avec Chris parce qu'elle change vraiment, elle change un peu mais vraiment pas des tonnes. Bon, il y a Rebecca Chamber, mais j'ai la flemme de le faire, peut-être je le ferai plus tard hein, mais pas dans l'immédiat en tout cas. Du coup j'espère que le stream vous a plu. Vous pouvez me suivre sur Twitch si vous voulez être informé par email dès que je lance un stream. Vous pouvez aussi me suivre sur YouTube, vous abonner à ma chaîne sur laquelle j'upload. En fait, j'ai peur que le son du jeu couvre ma voix. Vous abonner à ma chaîne YouTube sur laquelle j'upload. Putain, fermez vos bouches. Sur laquelle j'upload tous les replays de mes lives. J'upload tous les replays de mes lives, donc il y a des jeux comme Resident Evil. J'ai aussi fait Resident Evil 2, donc si vous voulez savoir ce qui se passe après celui-ci, je l'ai fait en vidéo. Il y a du Alien Isolation, World of Warcraft, League of Legends, Mad Max, Binding of Isaac. Je stream vraiment beaucoup de jeux différents. D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo à partir de YouTube, vous pouvez mettre un pouce levé si ça vous a plu, un pouce baissé si ça vous a déplu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce qui vous a plu dans le stream, ce qui vous a déplu, les choses à améliorer, les choses à conserver telles quelles, parce qu'elles vous conviennent. Et puis c'est à peu près tout. Je vous souhaite une. Ah, attendez, je veux voir un truc. Ouais, il a vraiment que le couteau au début, Chris. Ah, attendez, je vais essayer de faire le gros badass au début. Ah tiens d'ailleurs, y a pas Barry qui reste ici pour surveiller le sang qu'on avait Chris. Je vais essayer de me faire le premier zombie au couteau. Hop. Oh putain, ça commence mal, ça commence trop mal. Putain, il arrive pas à le planter ? Oh sa mère! Oh sa mère! Oh sa mère! Comment ils font les mecs pour faire le jeu au couteau? Et bim, il est mort. je comprends pas. Je comprends pas comment on peut faire ce jeu au couteau. Et ben voilà. Sur ce, je vous dis
bonne soirée ou bon après-midi, ça dépend à l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo, si vous l'avez regardée en replay. Et à la prochaine. Ciao, ciao.